Demandez de sortir du véhicule, s'il vous plaît, messieurs. Ah ouais, ça vous plaît? C'est bon? Attendez du véhicule, s'il vous plaît, messieurs. Allez, écoute. Je suis en train. Arrêtez, messieurs. Alors, vous avez les clés de votre véhicule. Je sais pas, ma tête. C'est quoi? Ça reste bien quoi? Donc, quoi, armé ou ça? Pourquoi on a arrêté? Parce qu'ils veulent fuir mon véhicule. On est pas en excès de vitesse, on est en rue. Ah, j'avais mon limitateur. Hein. Ouais, mon coach, je vais ramper, monsieur. Armé de quoi? Bon, monsieur, j'entends rien là. Vous avez des gilets pare-balles. Ouais, le véhicule on crochette. Belle 4 là-dessus en thermique, vous avez avec le gilet pare-balles. Ça, quand ça? Tout à l'heure, pendant qu'on discutait avec le véhicule gris, vous en vous avec des gilets non, voilà pourquoi on a vous la suivi. Allô, bonjour, c'est moi le véhicule gris. Oui, donc moi, je parle personne du véhicule noir. Ah bah d'accord, mais on est, je suis absolument pas son copain en fait. Genre, vous faites que vous vous suivez. C'est pas parce qu'on est habillé pareil. Vous à la trace tous les trois et vous avez les mêmes tenues. D'accord, mais c'est pas c'est un peu du foutage de gueule. Que vous ne vous connaissez pas. Est-ce que vous vous connaissez? Oui. Non. D'accord, alors pourquoi est-ce que vous suivez depuis 10 km et que quand on interpelle un véhicule, vous arrêtez avec et que vous avez les mêmes deux? On ne discute pas avec lui. De quoi on ne discute pas, la démocratie? Vous connaissez? Bah non, je connais pas. Ça ferme mon nom. Bah voilà, la force de se faire arrêter, c'est ça. Vous faites quoi, monsieur Lay? C'est simple, on crochète notre véhicule, vous ne désirez pas l'ouvrir. Bah non. Quoi ça, n'importe quoi ça. On ne vous demande pas votre avis. Sûr qu'on le crochette. S'il y a du suspicion d'équipement illégal. C'est pris, c'est pris en GoPro sur la dashcam. Vous n'avez qu'à passer à la BA. Affirmatif. La BA nous fait un peu. Ah d'accord. En fait, on va se prendre à eux. On va se prendre à la BA. Bon, écoute, je vais là-bas, je vais me rappeler. T'as quelqu'un d'autre dans la voiture ou pas? Moi j'ai mort de soif encore. Mais c'est pas grave. Ah si, il y a un T4. Je le mets au sol. Quoi? C'est ça qu'il y avait dans le véhicule. Il y a un on a les chargeurs de cycle de 6-5 dedans. Je suppose qu'il y a une arme qui est pas loin. On va la chercher chez les messieurs. Touche à pas mes fesses. Forcément une arme de 6-5 parce qu'on a trouvé ah, la chargeur. Là, ça a des armes, ça fait l'arme avec les mains sur la tête. Ah, mais ça, bon, on se fait arrêter pour rien. C'est cool. Main sur la tête. Mais moi, je peux partir. Ça va, comme toi aussi. Contre le véhicule. On a pas trouvé l'arme. Bon, c'est pas pareil. Je bosse les nuits passées tout à l'heure. Oui, non, ça, c'est non, par contre. C'est nain, heureusement qu'on a les dashcam. On se connaît pas en fait, hein. Pour pouvoir porter le casque. N'hésitez pas à nous donner vos noms. C'est parce qu'on est noir, c'est ça? Ouais, mais. Allez, contre le véhicule, les mains sur la tête. Oh, mais non, ils les donnent jamais, c'est des armes, je suppose que vous aussi. Oh là là. Ah bah, je vous déconseille fortement de partir. Ah bah, il y a un gilet, c'est eux ça aussi? Ouais, non, c'est à votre collègue qui l'a mis par terre. Non, c'est à eux, c'est ce qu'il y avait dans le. C'était ce qu'il y avait dans le véhicule. Sur le véhicule là-bas, je vais pas. Ouais. Parce que j'ai sorti du véhicule. Ah bah. Bien, donc vous avez tous mon fusil illégal, apparemment. Tout ce qui est illégal. Là, actuellement, vous êtes nocif. Bah, on a établi que vous aviez bel et bien les armes illégales. Vous n'avez pas laissé de sortir. Fini ça, là. On avait trouvé une cigarette, franchement. Ce temps-là. Pourquoi je suis menotté en fait? C'est parce qu'il est noir là? Non, mais parce que je suis demandé le propriétaire de ce véhicule. Ça, c'est un truc de ouf ça!
C'est bon, je suis à Arak, je me suis fait trop des clics à la cité. Ouais, maintenant vous devez me noter vos collègues. Alors celui-là, il a un casque illégal. C'est tout à fait, grosse vue, j'entends rien. Attendez, j'entends rien. Qui c'est qui est le propriétaire du véhicule belge? Arrêtez. Attendez, je regarde bien votre tatouage. Non, mais vous me notez sans aucune raison, j'ai rien fait moi. Vous êtes le propriétaire du véhicule belge, monsieur ou pas? Il a coopéré comme ça, ils vont pas me noter plus que ça. On va leur prendre quoi? Vous êtes le propriétaire? Ah bah moi j'ai pas les clés des véhicules belges, parce que moi je la connais pas déjà. Ouais. On avait propriétaire, rien fait. Vous cherchez le propriétaire de qui? On a également une M4 dans le véhicule belge. Très bien, vous ne pas embarquer tous. Allez, est-ce que Breezer il est là? Attendez, attends, où est-ce qu'il? C'est pas grave. Tu es allé comme par hasard. J'ai vu une noire là-bas. Tiens, regardez si il est dans votre véhicule. C'est pas moi, c'est pas moi. Ah ça va, il y a des limites en voyage de gueule. Mais c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Tu dis ça avec un pire broker là. Mais comment ça, un pire broker? Eh, les gars, ils sous mon accent. Mais vous... T'es de ma gueule, je vois rien pour moi. Non, mais vous êtes raciste, monsieur. D'accord, je suis raciste. Bon, c'est bon, je vous espère. Bon, y'a une arme. Je prends en photo, hop. J'ai également appris la photo, t'es bel et bien planqué dans le siège, ne vous inquiétez pas, on va toutes les preuves contre vous, c'est même plus la peine de nier, ça aggrave votre cas. Plus du foutage de gueule de chose. Les véhicules, je vais en prendre un de Scarfield, ce serait bien que tu en aies un autre qui est un autre. Enfin, il manque un véhicule, il manque un. On va l'emmener. Ouais. Hey, faites attention, je vois une rayure sur ma caisse. Une rayure. Ah. Quoi? La vie de ma mère. On va juste prendre le gilet, il y a l'arme dedans. Je vais juste mettre le gilet. Attendez, je mets les coups dedans, je prends le gilet. Voilà. C'est quoi? Vous voulez actuellement par le premier scooter? Non, c'est pas du bon. Voilà, vous avez ma sécurité. Ouais. Ah, celui qu'on a dans Delta, il est très très trop bavard. Exactement. Thank you.
les a retrouvés comme ça. J'ai cassé deux scarpines. Ouais, ça va, je préfère juste que j'ai cassé. Meg. Voie de la LCO encore, direction de Chutry.
Ah, si. La LCO est au niveau de Gravia. C'est chaud là. Oh, c'est trop chaud. À l'écho de Scarfield. Ah bien, je sors le véhicule, on décolle. Ah, c'est ton arme. Ah, j'aurais... Je voulais prendre ton gilet pare-balles, mais genre... Tu l'as mis ton... l'arme, mon arme dans ton sac. Ouais, j'ai tout mis dans mon sac. C'est ce qui m'a sauvé, parce que là, j'allais finir... Mais genre, tu sais, si t'aurais pas mis des chargeurs dans ton gilet pare-balles, j'aurais pu le mettre aussi.